Donc là, c'est une activité qui se tient chaque année du mouvement Juste et l'association, l'association pour le développement, qui organise chaque année une conférence religieuse et dans le but de sensibiliser davantage la jeunesse, les musulmans, à s'intéresser à la religion, ce qui est un peu rare. Donc c'est pourquoi on a choisi trois thèmes différents pour trois conférences différentes. Donc un premier thème qui a parlé du mariage. Donc c'est une question pérenne, le mariage, c'est ce qu'on vit tous les jours. Donc la deuxième conférence a parlé du Ramadan, là aussi c'est une question d'actualité. Le Ramadan c'est dans quelques jours. Et le troisième thème qui parle du rôle du jeune musulman dans la société. L'objectif n'est rien d'autre que de contribuer à notre façon sur l'enseignement de la religion, impliquer davantage, intéresser davantage la jeunesse islamique à la religion. Et puisque la tentation est là, le déviement est là, on a tendance à s'intéresser à plus de ce qui est beaucoup plus mondain que de ce qui est beaucoup plus spirituel. Donc l'objectif de cette causerie-là, de cette journée-là, c'est de participer à l'éducation religieuse de façon générale. L'appel aux jeunes de Kédou, c'est de s'intéresser à cette association-là, de s'associer à nous dans le travail islamique et s'intéresser davantage à la religion, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, puisqu'on a tendance à croire que la religion, c'est une affaire de vieux. C'est une affaire de vieux. Alors que si on renvoie à l'histoire, ce sont les jeunes, les plus enfants et les plus petits qui ont donné la force à la religion jusqu'à ce qu'ils arrivent à ces endroits-là aujourd'hui. Les autorités aussi, sinon, s'impliquer dans la religion, au point, de quelle manière faciliter ces activités comme ça. Et comme on l'a vu, l'activité se tient à la mosquée. Pourquoi pas, dans une autre occasion, nous permettre de faire ça en un endroit beaucoup plus public qui va concerner tout le monde et que ce soit beaucoup plus visible. Ce n'est pas une coïncidence, on a juste prévu de parler du thème d'actualité, le Ramadan. Ça va préparer les jeunes à bien pratiquer le jeûne du mois de Ramadan, Inch'Allah. On a venu santé à la djoulou tu yon te bêter de sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes contents, tu sais que les enfants ont fait un peu pour ça. Nous sommes contents pour l'islam, pour l'askat. Surtout l'islam, bi mag mom ñoo defando lepp tay bu ngeen ko jaglale bis bi jeune yi dañ ci contane ci sante yalla parce que dafa def lu nek ndom si yalla si teud tay man mën na ci jaar kenn mën na ndax yoon bi kenn du ko ñak waye mom dafa def lu reuy ci kédugu du doon daw ngir l'islam fu mu dé l'islam moko faré dem na def na lu nek dañ doon dem ci coin di def ay causerie di def ay waxtaan def ay conférence. Loolu yëpp nak mu ngi ci kanam même bu ñuy cotiser mom moy ñëk geenn bu ñuy dem jang ji alquran mom moy ñëk geenn mo ñuy passal ñuy dem kon jouru tay bi nga xamne ñi dañ ko ko jaglel xana di sant yalla di sant yalla di sant ay njabotam di sant jëkërëm ji nga xamne da ko jappalé ndax du kenn mom la bo gisé jigen daf yenn dafa am jëkër ju baax waye ummu aja ummu kenn mënu ko fay yalla rek mo am fayam te fofu mu jëm fofu lañ ko fay fayé mom dafa gas yona waaw xalé jigen ni xana di len gëreum di ñaan yalla yalla lañ ko kontiné parce que ñun buñuy jëm fi kédu bobu kenn mooru dañ doon dem ñu naan ñu da ngay ni dem dej wala da ngay na fièvre wala da ngay am problème buñu gisé ñuy mooru kon buñ démé ba gis xalé ndaw yi tay mooru taxaw ngir l'islam tay dama content sama xol dafa fess sama xol dafa fess ba xawma lan lay wax dama doon joy ndax tollo nañ fi nga xamné kédu deug la diiné nga fi waye mouray bi bari wu fi won waye tay xolal jeune fi ak nañu toge ak sen mouray rafet kon ñi ngi sant yalla di julli ci yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan yalla njabotam gi yalla nañ ko roy yalla nako xali yi roy yalla nañ ci top di ci dawal l'islam nak ba yalla jëlani fi ndax fi jaaru kay la dañ fi joge rek di len sant di len gëreum di sant ñepp kep ku fi tew ñi ngi lay gëreum di la sant di la ñaanal japp. En fait, aujourd'hui, nous sommes là pour une conférence dont elle a été marrainée. C'est une très grande joie. J'ai le cœur rempli de joie. Je n'ai même pas les mots. Je remercie cette jeunesse qui a pensé à ma maman, qui a été une brave dame sur le chemin de Dieu. Que Dieu ait pitié de son nom. Personnellement, je suis très contente. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, pour cette jeunesse, je leur dis de foncer. De foncer sur cette lancée. Je suis très fière de cette jeunesse, franchement. Qu'elle continue sur cette lancée. Donc, beaucoup, c'est ce que nous avons fait. Si vous voulez que la société, les jeunes, ils ont fait
Je vais préparer ma dernière soirée pour la cour. Mais nous, ce que nous choisissons, c'est d'organiser une conférence pour nous faciliter notre dîner, pour que nous puissions nous faire comment nous pouvons nous faire. Si nous pouvons nous faire, nous pouvons nous faire. Nous pouvons nous faire comment nous devons faire notre travail dans notre corps. C'est ce que nous avons fait. Ce que nous avons lancé comme appel, c'est que les enfants savent que tout ce que nous avons fait, nous devons faire de Dieu, de Dieu. C'est un solo. Personne ne sait qui est là. Yalla daf ñu bind rek indi ñu fi ci kaw suuf denk ñu mission bi nak moy lan man nañ ko jaam yalla waxula dafa demal lek waxula demal nalaw wax demal sangu neene dafa ne dama leen bind pour ngeen jaam waye mu ngeen dem ngeen lek naan pour ngeen mëna am doole pour mëna ma jaam kon mbokk yi limay di ñaan moy rawati na xalé yi li ñu top yépp nañ ko bax top yalla ndaxte moy deug ji ma ngi leen di nuyu di sante yalla di sante tamit suñu conférence ñaan yalla té bi def nañ ko bu ëllëgé tamit koor gi di ñew tamit nañ ko fekke ñun ñëpp té ndariñam tamit ñu fekke ko moy suñu waxtaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.